Je veux simplement que toutes les positions comprennent que 2015, nous devons absolument gagner. Mon idée, c'est de rentrer et de convaincre l'opposition de l'objectivité, de la pertinence de ma candidature. Et pour cela, il faut qu'il sache que je m'admirerai comme d'autres le font et que nous jugerons ensemble qui est le meilleur. Ça veut dire que vous êtes déjà candidat vous-même et vous estimez être aussi le meilleur des candidats. J'estime qu'en l'état actuel de l'opposition, je suis une candidature tout à fait pertinente compte tenu de l'état de ce pays et compte tenu du rapport de force et de la situation politique et sociale du pays. Pensez-vous qu'en venant dire aux candidats potentiels qui sont sur le terrain ici et qui déjà se bousculent, en venant leur dire que vous êtes l'alternative crédible, ça passera? Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Le fait d'être sur le terrain n'est pas un tirage au loto définitif qui permet de dire « je suis sur le terrain, donc c'est moi le meilleur ». Ça n'existe pas. Ce n'est pas le terrain seul qui décide et qui désigne, j'allais dire. C'est l'alimentation, c'est le programme, c'est le projet, c'est la capacité d'alternative, d'incarner ce qui doit se faire après le changement. Il ne suffit pas de dire « on va changer, on va changer ». La question, je la retourne autrement, est-ce qu'il ne sera pas plus compliqué, déjà en venant dans la posture de l'homme indiqué pour être le candidat unique de l'opposition en 2015, face au candidat de l'UNIR, que de venir, comme vous l'aviez annoncé, faire une rencontre et travailler à sortir un candidat unique de l'opposition? Sans doute que la démarche de venir d'abord, d'essayer de discuter, de tenter de trouver une solution avant de se positionner est la meilleure, tellement il se trouve que tous les appels du pied que j'ai fait, les explications que j'ai données, les courriers que j'ai envoyés, tout ça n'a pas eu de réponse satisfaisante. Il faut absolument bousculer les gens parce que, rappelez-vous, en 2005, j'ai entendu qu'ils voulaient tous être candidats. Je leur ai téléphoné, je leur ai écrit. C'est-à-dire, si vous ne trouvez pas un candidat unique face à ce pouvoir, alors je suis candidat et je rentre. On a eu un candidat unique et pour autant, on a perdu. On a perdu parce que le candidat unique qu'on avait trouvé n'était pas l'homme ad hoc. Voilà, tout le problème est de trouver l'homme ad hoc. Je ne vous donne encore aucun argument, mais je vais rentrer, je vais me leur donner les arguments. Et c'est à eux que je me réserve les arguments. Ça n'empêche pas les gens, ça n'empêche personne de se positionner comme candidat. Ça ne dure en rien le fait que les gens peuvent ou non ne pas être candidat. Et moi, je peux être candidat comme les autres. Et je leur démontrerai que ma candidature est la plus pertinente.